manifeste, alors que malgré tout, l'État a dit non, on maintient la loi et la CGT ne fera pas faiblir. Oui, mais la démocratie, près de 10 000. Voilà. Donc c'est vrai que la mobilisation sur ce mouvement-là, elle n'est pas aussi forte que ce qu'elle a pu être, mais elle est en train de grandir. Hein. Alors, un peu comme partout dans le pays, on est dans les mêmes rapports. Hein. Je veux dire, d'accord. Quand on regarde les chiffres Béziers, Montpellier, qu'on compare, on est dans les mêmes rapports. Donc voilà, après ce qui compte, c'est les manifestations, c'est les entreprises aussi, et puis toutes les mobilisations qui se font dans les entreprises, les actions qui se On a un très très bon contact avec la population dès qu'on distribue des tracts, on est très bien accueillis. Alors après, c'est comment on passe le pas pour se mobiliser. Et ça, on est dans une période aussi où l'espoir il est un peu bâché. Hein. L'avenir il est tellement difficile que ça freine aussi. Ça fait partie des freins, mais ça on le sait depuis des années. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. On manifeste, on manifeste contre la loi travail, contre cette loi qui nous réprime tous. Contre cette loi qui nous oblige à travailler plus pour être moins payés, qui supprime et qui n'augmente pas nos salaires. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu, c'est tout le monde qui est en jeu, c'est tous les avenirs de tout le monde qui est là. On fonce droit dans un mur, donc il faut être passé le 14 juin au Sénat, mais on ne lâchera rien, nous on continuera à se battre. Aussi bien dans la France que ici. Ils font ce qu'ils veulent, mais à partir du moment où ils votent Hollande, faut pas qu'ils gueulent après, il fallait qu'ils votent bien avant. Et là, ils ont voté là, Delga. Fallait pas qu'ils votent Delga. CGT, c'est quoi? C'est Delga, c'est Hollande. Et là, ils gueulent contre eux. Alors, c'est nul. Voilà, c'est tout. La prochaine fois, ils vont quand même voter. Voilà. C'est tout, c'est ça.